de reset. Je veux bien faire du no reset pour m'entraîner. Là, oh, ça va, on n'est pas encore en marathon. Je vais pas m'amuser à perdre 30 secondes sur. En 10 secondes plutôt, sur ce premier saut. Mais ouais, Queen's Garden, c'est vraiment ce passage où il faut aller sur la gauche, où je perds le plus de temps à chaque fois. Et après, bah, c'est l'antre de la bête où je suis le plus en galère à chaque fois. Et la RNG soit clémente. J'ai attendu un petit peu quand même pour être sûr. Premier coup un peu tôt, mais bon. Ça arrive, c'est pas, c'est rien de perdu, c'est pas très grave. Plutôt que de mâcher, je devrais apprendre le timing des coups de nail. Ouais, mais ta première run, tu l'avais fait après avoir joué au jeu. Donc t'avais le jeu un peu dans les doigts. Là, t'as pas retouché au jeu depuis un an à peu près. Donc forcément, non seulement t'as plus la mécanique dans les doigts, mais t'as plus. Bon, c'est pas terrible. Hein. Vraiment précis ce double hit. Alors que sur le 112%, sur le current patch, il est tellement gratos à faire ce double hit, je trouve. Ça aujourd'hui ça veut plus. Pourtant d'habitude il passe plutôt bien. Mais là il a décidé de me dire nope. Peut-être que vous êtes la même personne en fait. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. J'aimerais bien faire un sub 36 quand même. Je pense que je vais essayer de choper un sub 36 et une fois que j'ai le sub 36, j'essaierai peut-être de passer sur le 106%. Non, je vais pas faire du mid-boy, non. Oui. Ça existe. Je vais faire le 106 parce que le 112, j'aime beaucoup le 112, mais le Panthéon à la fin, c'est un peu hyper frustrant quand tu meurs là-bas dessus.
Quand tu meurs en boucle sur les deux derniers boss de la run, c'est bon. Il y a un moment, j'en ai assez soupé. Je reviendrai dessus quand j'aurai mieux maîtrisé le jeu. Il y a des gens qui parlent dans tes écouteurs. Mais qui est-ce? J'ai évité de faire un double pogo parce qu'en général, à cette distance, je crois que je tombe dans le trou. Est-ce que j'ai assez avec les oiseaux? Je suis pas sûr. Je pense qu'on va essayer de récupérer le premier pack. Pour toi, tant pis. Ouais, il me manque un chouïa. Oh, j'ai eu peur d'avoir trop reculé quand même. Oh mais quel copieur. Ça c'est cool. Bon ça c'est de la merde. Du coup quand je rate ici, on part sur la backup. C'est pas très grave d'avoir pris un hit. Je préfère ça que de refaire le tour. Je comprends pas comment vous faites pour le faire reculer lui. Y a un setup précis ou... Parce que je crois que t'avais dit qu'il fallait être proche de lui pour qu'il recule. Mais moi il recule jamais. Je comprends pas. Il y a beaucoup d'argent qui est tombé. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de continuer comme ça. C'est un 192. 192, 192. On va récupérer déjà lui si j'arrive à le tuer. Voilà. On va bien récupérer toute sa thune lui. Je suis à 200 et il me manque 6 géos. 6 géos. Où est-ce que je peux récupérer 6 géos sans trop galérer? Sachant que j'ai pas forcément envie. Pas forcément envie de les récupérer sur le. Je finis mon combat et je vais derrière, voilà. Pas très envie de le tester sur le Mantis. Dans la salle du Mantis Keep. Sinon, j'ai une idée où est-ce que je peux. J'ai une idée de backup. À l'endroit où il y a le pogo skip. Enfin, je sais pas comment il s'appelle. Le explosif skip. Le pogo sur la truc explosive. Je sais que juste au-dessus, il y a un spot de thune. Ça va me faire perdre quelques secondes, mais. Je pense que je préfère perdre ça que de risquer de rater
Le Mantiskip. Où est-ce que je peux récupérer de la thune? Et Relidia, t'as bougé ton gros popotin du lit pour avoir plus de délai sur le stream? Ah, pour plus, plutôt. Ouais, parce que pour en avoir plus, c'est chelou. Bon, on va dire que la backup de la thune, ça va être juste ici. Yes mon gars. Bim! Et je perds qu'une seconde sur le gold en ayant fait un détour pour aller chercher le de la thune. Je suis très content. Ça s'est très bien passé. Il y a trois sauts qui te donnent tellement pas envie de prendre la run. Ah, le celui avec la bombe, j'imagine. C'est quoi les deux autres? Celui dans vers chemin où il faut aller là où il y a Hornet, j'imagine. Après, t'as une backup si jamais. Pour commencer, si jamais ça te rebute le saut avec la magie. Celui avec la bombe, celui au-dessus de l'acide. Alors celui de... pour aller vers Umu, il est pas très dur à faire en vrai. Il est... t'as vraiment de la marge. Par contre celui du... pour aller à Queen's Garden, il est vraiment pas simple. Mais au début, je conseille quand même de passer par Fungal West. Plutôt que par Queen's Garden. Parce que Queen's Garden, c'est vraiment vraiment dur. Je suis sûr que j'aurais déjà PB si je passais par Fungal West. Hein. J'aurais déjà sub 36. Parce que je perds tellement de temps sur Queen's Garden à chaque fois. Oh, Robert! Oh, Robert, indigeste! T'as deux piles. Trop stylé. Yes! Ah, ça c'est bon ça. C'est tellement rare que ça arrive. C'est tellement rare que ça arrive ça. Donc celui avec la bombe, celui au-dessus de l'acide, d'accord. Et celui où faut tricle le double saut avec un élément de décor. Ah, avant les Watchers? Il se fait vraiment très bien. Si tu comprends qu'il faut que tu fasses un pogo le plus tard possible, ça se passe vraiment très bien. Faut juste vraiment attendre d'être en haut de la hauteur du saut. Je me trouve un setup au niveau de la main pour bien faire cet enchaînement saut dash, saut dash, saut dash. Je crois que
crois qu'il y en a qui passent au clavier juste pour ce passage-là. Ah, taco galère. Il y a toujours pas le choix de la qualité, j'imagine. Twitch, ils ont toujours pas dit qu'on remettait le choix de la qualité aux gens. Parce que j'ai baissé le bitrate, hein. Je tiens à le dire. Parce que pendant Resident Evil, j'étais à 5 minutes de bitrate. J'imagine que pour certains, c'était compliqué à suivre, du coup. Pour les petites co. Mais là je suis passé à 2500, j'ai diminué de moitié. Pas de transcodeur. C'est relou ça. Mais je suis vraiment persuadé que c'est à cause du confinement qu'il n'y a plus de transcoding chez les gens. Soit il y a trop de monde qui stream, soit il y a trop de monde sur les streams. Forcément parce que tout le monde est chez soi. Et donc forcément, je sais pas si c'est premier arrivé, premier servi ou si du coup ils l'ont complètement enlevé pendant cette période ou s'ils le donnent qu'aux personnes qui ont le plus de vues. Tu restes de ce côté. Hein. Allez, dégage. Ah putain, je déteste ce passage. Je pense vraiment que je vais regarder le setup de Firebird et voir comment il fait au niveau de la thune. Parce que lui, il tue pas ces 4 ennemis là, il en tue d'autres ailleurs. Il faut vraiment que je regarde comment il compense le manque d'argent à cet endroit-là. Parce que c'est vraiment, vraiment trop relou. Je sais qui tue ces deux là à la place. Que moi je tue pas, juste je récupère des âmes pour pouvoir tuer ceux-là. Ah mais quand tu fais le mana en premier, tu finis par des coups de nail, c'est intéressant ça. Je viens de tester là parce que du coup ça m'intriguait de voir certains faire comme ça. C'est intéressant, parce que du coup ça te fait 2 ou 3... Si tu fais une double... Ouais, il a fait une double au début, ça je l'avais bien entendu. Mais ouais, du coup s'il fait pas la double, j'imagine que t'es obligé de soit remettre un coup de nail supplémentaire, soit de lancer une magie. J'imagine que c'est un coup de nail. Parce qu'en général, quand on commence par le nail, il manque un hit. Pourquoi j'y arrive plus? Cassez-vous. Remurie.
PV, ça m'embête. J'ai pas envie de commencer à 4 PV. On va récupérer du mana sur les deux qui sont au sol. J'ai failli m'en prendre une dans la tronche. Allez, mais s'il te plaît. Non. Bon, ça va. C'est pas parfait, mais ça reste ok. Moi aussi, Team Cherry a dû pirater mon ordi et patcher le lever skip. Toujours. On a toujours les bonnes excuses. Mais ouais, non, aujourd'hui il veut plus passer le skip. Je sais pas pourquoi. Oh! Pire con. En termes de difficulté pure, pour moi c'est les Watchers qui sont le plus durs. Mais en termes de vitesse, c'est vraiment Umu que je trouve difficile. Parce que je suis incapable de faire un deux cycles, je n'y arrive vraiment pas. J'ai beau m'entraîner dessus, j'y arrive pas du tout. Donc je me contente d'un 3 cycles, donc je prie pour plus faire de 4 cycles. Mais bon. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est à moi que tu parles? C'est pas vrai. Oh là là, ça name drop. Millet, vous name droppez. Calmez-vous. Non, moi ça me... Mais moi ça me dérangerait pas de rester seul enfermé dans mon petit studio si j'avais pas à faire du télétravail en fait. Non mais vraiment. Qui râle à chaque fois qu'on parle de boulot. Les Watchers Night c'est peut-être plus dur, mais justement les RNG du Mu c'est un coup à se taper la tête contre les murs. Ouais, non, les... C'est pour ça que je dis en termes de technique, c'est les Watchers que je trouve le plus dur à pas mourir dessus. Mais sinon, à aller vite, c'est vraiment les Mu qui est horrible à cause de sa RNG et du fait de perdre beaucoup de temps si tu réussis pas à faire un deux cycles. Un bot. Je suis pas une bot, je suis un gars. Oh là là. Oh.
Du coup, c'est assez rigolo comme situation parce que. Merde, on est. Voilà, c'est ça que je trouve ça rigolo, c'est que on est tous les deux sur Mumble, et en fait, il n'y en a aucun des deux qui parle entre eux. On parle tous les deux à notre propre chat sur notre propre stream, quoi. C'est. Ah bon? Ah, désolé. Tu veux que je crie pour qu'on entende mieux? Non, moi j'ai pas envie. Tu voulais? Maintenant, Stuart! Squid Street. Non, parce que crier c'est pas mon truc et. J'ai la flemme. Yes! Non, c'est vrai que je crie très peu. Je crie vraiment très peu. Non! Non! Oh, je perds 3 secondes, hein, je pense. Non, j'aime pas crier. Même quand on me dit d'appeler quelqu'un fort. Genre au boulot, bah je préfère aller me déplacer jusqu'à la personne pour lui dire hé, on t'appelle. Plutôt que de gueuler depuis l'autre bureau comme tout le monde fait. C'est un truc qui m'énerve ça, les gens qui gueulent pour appeler quelqu'un alors qu'ils ont juste à bouger leur cul. J'ai les inputs qui passent pas. Je suis en train de me demander est-ce que j'ai mis Riva Tuner, je suis pas sûr. Je pense que j'ai des sauts de. Input. Et ici c'est le pire endroit pour avoir des sauts d'input. Je sais pas comment il marche ici le. Voilà. Là il a pas sauté. Pareil, mais comme toi Millet, il a pas sauté. C'est fou. On est sur le même stream. Sur les antivirus, tu cries toutes les 5 minutes. Ouais, non, mais. Il y a crier et sursauter. C'est complètement différent. Ou quand tu rates un pibi sur le dernier mur de Bubble Ghost. Oui, c'est vrai que j'ai peut-être relevé un peu la voix à ce moment-là. Mais bon, ça n'arrive pas souvent de gueuler comme ça. Et puis, j'aime pas ça en plus. Je préfère faire vraiment rester calme. On n'est pas là pour être ici, comme dirait Fireman. Même s'il n'est pas là. Paix à son âme. Trop cool. Un nouvel orthographe à bannir. Comment on va faire? Et salut Brunthor. Salut Wolf, comment ça va? Joue mieux. Et ça, ce hit, je le comprends pas. Je sais pas si c'est une histoire de vitesse ou. Ou juste que je suis mauvais. Le tic-tic, ouais. Le... J'ai pris. Quand tu fais le cristal dash en descendant du puits. Tu as lock le mot bloqué qui bloque le mot clavier.
Ouais, je serais toi, je bannirais tout mon chat, hein. Ça irait plus vite, hein. Si tu veux être sûr que les gens ils disent pas le mot qu'il faut pas, tu bannes tout le chat. Ouais. Sauf clavier. Vous pouvez dire ce que vous voulez, sauf clavier. Je pense que sur le moment tu rigolais pas trop. Non! Putain, j'ai glissé sur la touche. Là par contre ça n'amuse pas ça. Il est trop. C'est très grave le hit. Ça par contre c'est grave. Parce que là j'ai peur, j'ai vraiment peur. Putain, et je me tape un hit supplémentaire parce que j'ai pas dû me décaler assez. Ah, il restait un hit. J'aurais réussi à faire un double hit, il serait mort. J'ai failli avoir le doux cycle. Ah, je suis si proche de l'avoir. Mais après, je l'avais très mal placé au début. Je check, mais je pense savoir. Il a appris. J'ai appris quoi? Le. La descente? Ouais, la descente, je l'ai appris bah, pour le tournoi Hollow Knight. Et il se fait plutôt bien, je trouve. Maintenant que je le connais. Il y a plein de runners que j'ai du mal à suivre justement parce qu'ils crient sans cesse, alors que c'est vachement agréable de te suivre, c'est plus posé. Ouais, j'aime pas trop les... quand ça crie à tout va. Non plus, mais... Après, c'est... En général, les cris, c'est vraiment... Comment dire, c'est... C'est pas volontaire, quoi. C'est souvent des réactions... Parce que tu t'énerves, en fait, et... En fait, moi, plutôt que de crier, je préfère râler. C'est pas forcément mieux, mais... Je pense même qu'en tournage, ils en ont marre quand je râle à tout va. Mais au moins, je lève pas la voix. Juste, je passe mon temps à râler. Je vais me concentrer. Salut d'Adonimus. Mais fais pas ça maintenant! Fais pas ça maintenant! Connard! Je crie pas, je suis pas énervé. J'ai 3 PV. Là. Deux PV. Je vais être obligé de me... de farmer... J'aurais dû me soigner plutôt que de prendre le risque là.
Dégage. Bon, là j'ai trop peur. Voilà, on fait un dash. On va full soin, on va faire un Dream Nail. Allez, on se concentre. Je suis trop à gauche là, non c'est bon. Checker ta VOD, t'as une probabilité de te faire hit par le Titi quand tu marches un peu vers la gauche avant de lancer le dash. Ah bon? C'est se tourner durant la chute comme tu l'as fait mais ne plus presser gauche ensuite. D'accord, je savais pas. J'ai tellement envie de te mettre à cette run mais j'ai jamais la période dans les nuls qu'on apprend. Ah, il faut apprendre, t'es obligé de passer par là d'Anonymous. On va faire comme ça, c'est safe, je perds pas de temps. C'est pas très grave de prendre un hit ici. C'est pas très grave de prendre un hit ici. J'ai full magie. Je suis en train de paniquer. Je crois que j'ai les 250. Et je parle pas des Pokémon. J'ai pas encore fini, non, il reste le boss de fin. 276. Je préfère le trigger, comme ça au moins je suis sûr qu'il recule pas et je me fais pas piéger. Faut vraiment que je revoie les opties de la descente ici. Ça me stresse ce combat déjà. Je sais que j'ai du temps à gagner sur le combat. Mais je sais que je peux aussi en perdre.
Arrête! Pas toi. Allez, s'il te plaît. Espèce d'enfoiré. Je reste poli. Tu veux pas me dash dessus, s'il te plaît? Je sais pas quand je me suis pas fait toucher, mais je m'en fous. J'aurais dû sauter. Je pensais qu'il allait se téléporter à ce... mais pas à cette distance. Je m'en fous. Normalement c'est bon. C'est pas 736, mais normalement c'est Pibi. Pibi! Ouais! Ah! Muri qui spoil le temps. Raté! C'est 36-16. Ah, trop cool. Il était pas du tout coopératif, le boss, là. Là, il s'est coincé dans le coin, il voulait pas du tout sortir. Et il arrêtait pas de faire des... Des contres. Là, j'ai un boss qui est pas terrible, et j'arrive quand même à gagner 4 secondes sur le PB. Donc le boss était vraiment pas terrible sur le PB. Mais bon, c'était compliqué, mais je suis content. Je suis quand même PB. Bon, bah c'est cool. Très content. Voilà, par contre c'est un début qui va être à peu près ok, et il va falloir gagner du temps sur la fin de la run. Ça va être difficile au niveau des splits, mais je suis content. Merci tout le monde, c'est cool. Quand j'ai vu le first try sur le sur l'acid skip, j'ai compris qu'il fallait, que je me taise et que je me concentre. Mais j'ai du temps à gagner sur Queen's Garden, où j'ai encore fait de la merde sur l'arène avec les... Quand il fait ses projectiles dans le coin de l'arène, le plus opti c'est de le pogo. Mais c'est un peu chaud. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Ouais, c'est vrai que j'ai essayé de m'éloigner pour pas me les prendre, parce que j'étais en panique. Mais... Bon, tant pis, hein. Reste 16 secondes avant de... 16 secondes avant d'atteindre le sub 36. Enfin, même 17 secondes, on peut dire plutôt. Mais c'est bon, c'est cool, je suis plutôt content. Et enfin, j'ai un PB propre. Parce que le PB que j'avais fait au dernier tournoi de Hollow Knight, sur. Qui a 36-20 quelque chose, ou 30 quelque chose, je sais plus combien c'était. Je l'ai toujours pas soumis sur SRC parce que j'ai oublié déjà. Et puis après, quand j'ai vu la run, enfin quand j'ai vu la vidéo, le c'était dégueulasse. C'était le setup pour Speed Gaming et avec juste le jeu et le timer d'un côté. Et juste. Et tu voyais un bout des icônes sur le timer en plus, donc c'était vraiment crado. Mais bon. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Sub 36, soon. Vraiment hâte d'atteindre ce sub 36. Après, une fois j'aurais réussi le sub 36, le sub 35 me paraît tellement loin. Mais bon, après il faut que je m'entraîne plus sur le jeu et que je joue plus souvent aussi. Je joue clairement pas souvent, pas assez. Là, du sub 34.